Yo tout le monde, c'est Buzzy et on se retrouve pour l'épisode de 8 de Pokémon Diamant Étincelant. Dans l'épisode précédent, nous avons traversé le juste là entre Floraville et la maison où on s'est reposé en battant presque tous les sorts qu'il y avait sur le chemin. Et là, on est devant la maison en fait, qui donne directement vers l'entrée de la forêt de. Je sais pourquoi. La forêt de. Oh, j'ai tort tout de suite. De la forêt de Vestigion. Du coup, dans cet épisode, on va traverser toute la forêt et on va comme ça, on va directement aller à Vestigion. Directement. Let's go. Alors. Bonjour. Bonjour. Mon nom est Sarah, comment t'appelles-tu? Enchanté, Buzzy. Je demande un grand service, dis-moi. Je serais traverser la forêt, j'ai peur d'y aller tout y aller seul. Je voudrais dire qu'il y a un sinistre individu qui appelait la dynastie qui rôdait. Et comme on a dit, l'union fait la force. Je peux traverser avec toi. Bah, ok. D'accord. Bonjour. Bienvenue. J'aurai des Pokémon, parfait. Alors du coup, on est à deux. Okay, y a quelque chose ici. Antidote, parfait. Quoi, traverser la forêt. Passer à l'autre. Oh, directement. Hein. Pas besoin de passer, on y est directement. On a un lapin-oreille et un rose bouton. D'accord, bah, les deux. Donc, au revoir. Ouais, ça c'est fait. Ah, premier combat. C'est parti. Premier combat double contre double. On fait juste une petite promenade. Ouais, d'accord. Savoir qui est le plus cool. Bon. Ah, t'es des Pokémon insectes, toi, ça sert à rien. Nomiafi et Théo doivent se battre. Et bah, envoyez la pâtée. Pachirizu et un Shinipa. Trancher sur les deux. Attends, vive attaque toi, venir. Voilà. Doux baiser. Fais-lui un poutou. Parfait, ça c'est confus, ça devrait casser la tête. Charme. Un coup critique quand même, non? On continue avec un trancher. Vas-y, y'a l'autre à attaquer aussi un peu là. Allez hop, je dis pote, au revoir. Oh non, tu pouvais l'achever quand même. Cher mignon. Ok. Et bah. Voilà. Allez hop. Au revoir. Au revoir par Chirizu, ça c'est fait. J'ai réussi à être niveau 12 et Luxo niveau 16. C'est bien ça. Ça pex. J'ai fait aucun dégât. D'accord. Ah, c'est mort, soigné, mais bon. Tornade, ah ouais, flèche de gueule. Bon, on va faire charge, hein. Pas le choix, c'est pas de sympathie. Allez, coup critique, on n'en parle plus. Ouais, ça c'est fait comme ça, je change Mascara et je mets étoile vol. Avec coup critique, cruel. 19 Mascara, voilà. Complex, continue. Et puis là, j'ai plus personne, je vais la faire. Ah, je peux pas changer. Ah merde, je crois que je pouvais changer. Bon, c'est pas grave, on va utiliser des charges. Hein. Hop.
Et voilà, ça c'est fait. Allez, on passe maintenant. Et niveau 18, ton vol parfait. Et toi, importe. Hein. Et fort, mon dieu. Non, je vais pas prendre. Non, je vais pas prendre. Ouais, je vais pas prendre. Parfait. Ouais, luxure est importe. Je vais lâcher aussi. C'est de la mettre au niveau un peu. Hein. Non, les Pokémon insignes ne sont pas cool. Faut arrêter. Antipara, parfait. Ah. Encore un appareil, un 11 boutons. Je vois qu'un des deux. Ça se passe comment? Allez hop. Ciao. Ah, encore un combat. Ah, c'est des télékinésistes. C'est ça. Ah, double à bras. Hop, et bah tranché. On va le travailler comme ça. Hein. Ça fait un peu pas de dégâts quand c'est un peu courant. Ah, vas-y, ça fait ça, ça fait ça, ça. Ah, vous êtes sérieux, ça? Par contre, moi je fais des dégâts. What? Double one shot! Bim! Ah là, il faut les écosphères à la con là. Allez, bim, ça c'est fait. Allez, 17 et 13. Voilà, on rate un peu retard. Ça c'est fait. Allez. Oui, t'as perdu. Voilà. Au revoir. Allez, c'est reparti, on continue. J'ai les vu tout de suite. On va pixer quand même un petit peu parce que c'est un peu le but quand même. Allez hop. Ça va être un peu long parce que j'ai pas de double attaque, mais ça va le faire. Putain, 5 Pokémon, ça va être long. Intimidation, ça c'est fait. Ah, j'ai une fait d'attaquer lui. Pas d'attaquer. One shot. Ah, j'ai pas beaucoup d'expérience avec ça. Pas grave. Papyrus. C'est le principe, hein. Ah, c'est sûr qu'il y a Pharaon encore. C'est pour ça que je l'attaque pas, j'attends derrière moi. Double one shot. Ah, ça va faire que des one shot alors. Vous avez fait chier qu'on gagne pas beaucoup d'expérience. J'aurais bien aimé pixer un peu. Ah, si. Ah, si. Sauf que ça, je crois que c'est. C'est Chenipot, il n'a pas beaucoup d'expérience, je sais pas. Vandalis, d'accord. Et bah, Cruel aussi, parfait. Dans le même résultat, c'est la même chose. Allez, on passe à l'autre. Insignifiant. Tiens, meurs. Voilà. On va le deuxième là, chaud patate.
les personnes, attaque pas les personnes. Léocric. Oui. Allez, ça c'est fait. Niveau 4, niveau 19, niveau 20, niveau 14. Ah ouais, pas mal. Kun, d'accord. Allez, au revoir les scouts. Allez, donnez l'argent. Merci beaucoup. Et quoi, passer par là? Pokémon, récupérer la coupe. Allez! Spécial. On récupère un passage. Une potion, on prend. On va passer par là directement. On va passer par là directement. Taillot. Le Pokéball. J'ai fait Pokéball. Hop là. Encore un pot de miel, parfait. Hop. Taillot. Ah, on a déjà traversé la forêt. Pas un seul Pokémon intéressant. D'accord, on se boutonne à armure lisse. Ouais, bon. À part faire d'XP, je pense que ça genre, vraiment intéresse. Mais bien, je crois qu'il y avait un. Je sais pas, y a pas des Ponyta ou un Magi, des Magi. Non, c'est pas. Non, ouais, c'est souvent qui déconne. Ouais, le dernier, et on sort. Je n'ai pas tes rose boutons, je pense que. Il n'y a que des rose boutons ou des insectes ici, je pense. Hop. Fuite. Hein. On va sortir de la forêt directement, hein. Donc là c'est la maison hantée où il y a le motif, un motisma. C'est un motisma je crois. Mais là après il faut couper donc on n'a pas. Donc on sort directement. Voilà sorti, je suis soulagé. Nous avons réussi, je n'ai jamais pu traverser cette forêt sans toi, merci beaucoup, vas-y. Bah de rien. Pour avoir un cadeau? Non? Bon d'accord. Let's go. Route 205. Ah les pêcheurs. Ah, tout le long il y a des pêcheurs. Oh, l'XP. Con, c'est l'XP. Bon, je verrai tout à l'heure. On va faire la forêt. On va faire les autres armes. On verra tout à l'heure pour l'XP. Ou je ferai un autre pour XP. Je vais alors par là, je sais pas cette. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coin-là? Pas chez Rizou. Ouais, mais j'ai déjà mon Pokémon de type électrique. J'ai déjà l'Uxray. Ah, sûr pour l'instant. Très bien. Donc, en vrai, non, ça m'intéresse pas du tout. Il est mignon, mais ça m'intéresse pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mais il n'y a que ça. Putain. Moi je suis sur un Pokémon ou quoi? Ouais, c'est rare ou quoi? Voilà. C'est une vanne. Y'a aucun Pokémon. Mais non. Bon bah ok d'accord, le Pokémon ne veut pas de moi, très bien, je me casse. Bon bah personne ne veut de moi, très bien. Et bah écoutez, je me casse. Vestigion. Ah un direct, j'ai vu la Team Galaxy juste ici. On va juste passer au centre de pour saluer tout le monde. Je crois que j'ai pas besoin mais bon. On va faire un tour quand même. Je vais remettre Tortipousse en numéro 1. Et on va essayer de voir l'arène. Voilà, ça c'est bon. Bientôt, merci. Non, c'est bon, je l'ai soigné. J'ai déjà soigné, c'est bon, je pense. Ciao. Alors, dans la version précédente, pardon, moi sur DS, je crois qu'à côté de l'arène,
Il y a professeur Chen. Allez, on va descendre directement. Qui fait con, voisin, qui coûte perceuse, là. Donc là, c'est la reine. Elle est rentrée, vite fait. Ah bah, là. Juste avant. Deux secondes à perceuse. Tu perces plus, tu perces. Non, c'est bon. Alors, je disais. Dans cette maison, il y a le professeur Chen, je crois. Ah bah non. J'ai bien complètement bugué. J'ai complètement bugué le truc. Voilà. Coup de perceuse. Ah oui. Alors, ce joli coup de perceuse mélodique. Est-ce que... Il faut vaincre tous les tours de soir pour se cacher à roi dans l'endroit pour dire la championne. C'est-à-dire dire moi. Sur ce, bonne chance pour la fois. Ah bah voilà, directement. Du coup, je pense que ça va dire pour cet épisode. Je sais qu'il y a... Normalement, il y a Cynthia aussi. Par rapport à l'histoire. Tac. Ça, c'est la tour. Ah bah voilà. C'est Cynthia. Tiens, mais c'est un Pokédex, oui. J'en conclue que tu assistes au professeur Sorbier dans ses recherches. Comment t'appelles-tu? Vas-y, enchanté, tu me passes ton nom. Voici Cynthia, on passe son temps à étudier les mythes sur les Pokémon. Et c'est vision, une statue se trouve le Pokémon. Ah oui, c'est vrai, il y a une statue. Est-ce qu'elle est aussi bizarre que sur DS? Ou un peu mieux? Ah, ça donne CT. Tu me donnes quoi? Coupe. Ah oui. Ah, mais c'est. Ouais, tu vas t'abandonner contre. Voir Cynthia. Ah, elle est mieux. Elle est beaucoup mieux. Elle est 10 fois mieux que sur DS où c'était, on dirait qu'il était assis. Là, carrément, il a le style. Ah ouais, j'aime beaucoup. Et du coup, ah, il y a bâtiment maintenant. Il y a un bâtiment ici. Et du coup, là, ah oui. Oh, Pokémon. Je crois que c'est des machos qui est ici. Ou des Makita. Moi, je suis pas fan non plus. Fuite. Est-ce qu'il y a d'autres... Non, il y a d'autres intéressants ou pas? Non, je crois qu'il y a que des Makita. Ou des Machop. Si je trouve un Machop. En vrai, non, je vais pas prendre Machop ou Makita. Type combat, je ferais... Je sais pas si... Je sais pas si on peut avoir un Lucario, faut attendre... d'être sur l'île de fer. Allez, sur les trois. Allez. Voilà. Route 211. Et quoi? Comment ça en tue? Vite fait. Allez. Un Cunotor. Ok, je peux pas passer. Demi-tour. Bah c'est fait. Là j'ai pas de Pokémon qui m'ont sauté à la gorge. Ah bah tiens. Allez hop. Ouais. Hop. On va finir sur le combat. Direction l'arène après. C'est le montagnard. Ok. Ah que le boss car, je vais faire que des one shot. Allez, one shot. Hop, le deuxième. Onyx. Ça passe. Croise des doigts. Comment ça passe? Hop, attaque. Tranché. Hein. Et c'est super, ça c'est un coup critique. Ah ouais, d'accord. Et ben voilà, bonne chose de faite. Vas-y montagnard, bien sûr que j'ai battu montagnard. Eh oui, j'attends le sommet un jour. Car je serai bien certain. Hop. On passe par là. Ah bah tiens, ok, mon passage. Cunotor, foutez de ma gueule ou quoi?
suite. Hop, direction le centre Pokémon pour soigner tout le monde. Et après, on ira directement devant l'arène. Hop, petit centre Pokémon. Tout le monde en forme pour le combat. Bien sûr Pokémon. Oui, Pokémon de mon équipe s'il te plaît. Parfait. Coup de perceuse encore. Alors, on va s'arrêter là parce que les coups de perceuse je crois que c'est tout l'après-midi donc on va s'arrêter. On va juste nous mettre dans l'arène. On va se quitter dans l'arène. Hop, on rentre. Voilà la jolie arène. Petit labyrinthe. Coup perceuse a gâché la cinématique. C'est dégoûté. Du coup, devant cette arène, je vais vous laisser. Parce que vous, avec le coup de perceuse, ça fait deux, hein, parce que vous avez entendu. Du coup, je vous laisse devant l'arène. Du coup, on se retrouve pour le prochain épisode. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, s'abonner à la chaîne, le petit commentaire. Et on se revoit à la prochaine. Ciao!